D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte noire et pesant 230,2 livres. Introducing first, he is fighting out of the red corner, wears black trunks and weighed in at 230.2 pounds. En 31 combats, il a 3 victoires, une par KO et un verdict nul. With a professional record standing at 3 victories, one coming by way of knockout and one draw in 31 bouts, accueillons de Saint-Philippe, Stéphane Brutus Tessier. Son adversaire, dans le coin bleu, porte la culotte noire et argent et pèse 235,5 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears black trunks with silver trim. His official weight, 235.5 pounds. Il est invaincu en 9 combats avec 9 victoires, 6 par KO. Undefeated in 9 professional bouts with a perfect 9 victories, 6 coming by way of knockout. Participant aux Jeux olympiques de Pékin 2008 et médaillé d'argent des Jeux panaméricains en 2007, mesdames et messieurs, accueillons de Montréal, Oscar Kaboom Rivas. Allez, boys, on a reçu les instructions en chambre, au début. Je veux un combat qui soit clean. On se protège en tout temps. Bonne chance. On touche les gars. Merci. Alors voilà, c'est Alain Villeneuve qui est l'arbitre de ce combat. Stéphane Tessier. 39 ans contre 24 pour Oscar Rivas. Deux gros bonhommes, vous le voyez, 230 livres contre 235 livres. Des gars qui se connaissent bien et qui vont nous donner certainement un bel affrontement ce soir dans ce combat prévu chez les Lourds et pour 6 rounds. C'est parti, bon combat. C'est certain que pour Tessier, ce qu'il doit éviter, c'est de recevoir l'uppercut de la main arrière de Rivas au menton. Il lui avait tellement fait mal avec ce coup dans le premier combat, donc il faut absolument, dans son cas, là, que, éviter ça, parce que Rivas, c'est son meilleur coup, puis il peut démolir quelqu'un avec ça. C'est juste moi où Rivas est plus gros que d'habitude. Rivas continue à travailler beaucoup en préparation physique. Regarde le dos de ce bonhomme-là, c'est... Exactement, impressionnant physiquement. Donc, c'est pas un polo qui est très grand, mais c'est un polo qui est très dangereux. Cool. Quand il s'approche de toi, là, oh là là, ses coups sont très lourds, très puissants. J'ai vraiment l'impression qu'il est plus gros, plus massif que d'habitude. D'ailleurs, ses 5 derniers adversaires ont tous été passés dans le camp. Et ici, qui voudrait bien, lui, avec sa main arrière, là, réussir à placer un bon coup en partant là, pour mettre un petit peu Rivas, un peu de doute dans sa tête. Encore, on le voit, là, Rivas, quand il part là, pour dégainer avec son uppercut de la mariée, tellement dangereux. Tellement de puissance qui revient en montant, là, c'est impressionnant. Ça. Oui, il transfère bien son poids, mouvement violent des hanches, et c'est maximum de puissance aux jointures. Échange de jab au centre du ring. Belle main arrière ici de Tessier. Techniquement, c'était très bien. Il n'était pas large dans son coup. Combinaison gauche-droite pour Tessier. Tessier qui a beaucoup d'expérience. Hein, qui est un boxeur qui n'est pas très habile, donc qui bloque énormément de coups avec ses gants, avec ses avant-bras, avec ses bras. Donc, ça sert énormément... techniquement, du blocage pour éviter le danger. Là. Éviter le pire. Oui, tout à fait. Jab. Jab droite ensuite pour Rivas. Ici, qui prend un pas de recul et qui revient. Des coups en puissance, hein? Ouais, c'est ça. De poids se fait, là, Bernard, sur chacun des coups. Regarde encore. Ah oui. Son dernier combat avait été impressionnant contre Perkovic. Bon petit crochet de la mariée de la part de Tessier qui a touché la cible. Là, il l'a bien placé. Oui, qui a passé en arrière du gant gauche de Rivas, mais Rivas revient rapidement. Là. Tessier qui a fait signe la tête, oui. C'était bien fait, ça. Autour de Tessier de se porter à l'attaque, Rivas a reculé. Jab peut toucher la cible. Combinaison. Gauche-droite-gauche avec moins de 10 secondes à faire au premier round. Jab de Rivas. Même chose encore une fois. Oui, techniquement, Rivas a dominé ce round. Bon premier round pour ce combat de 6.
chez les lots entre Oscar Rivas et Stéphane Tessier. Rivas, de l'autre côté, on lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'on lui a dit, Bernard? Oui, on a dit dans le coin de Rivas d'éviter de viser au lieu de lancer, de s'assurer de ne pas gaspiller de coups sur Tessier qui bloque énormément de coups. Donc, de se servir de son jab pour créer des ouvertures, pour déplacer la défensive de Tessier. Tessier, qui, c'est son frère Patrick Tessier, qui est aussi boxeur professionnel, qui travaille dans son coin. Et dans le cas de Tessier, lui, c'est certain, voudrait bien, il n'est pas capable de suivre le rythme de Rivas, mais voudrait bien être capable de le saisir à un moment où Rivas aura sera en offensive. Donc, mais c'est pas évident entre penser à ça et le faire. Là, donc, et quand tu sais que ça va faire mal quand tu avances? Ben, exactement. Donc, ça complique les choses un peu. T'as une petite lumière rouge qui s'allume dans ton cerveau. On vient d'entendre un Let's go, Brutus. Bien, petite combinaison. On a parlé de la différence, il vient de nous le montrer. Ouais. Rivas travaille, coup simple, d'un coup, hop, petite combinaison. Hop, une combinaison de trois coups. Alors que Tessier, lui, est seulement un coup tout le temps. Encore là, ouais. C'est une combinaison. Même à terminer avec son jab, mais quand même, on voit qu'il suit les conseils de son entraîneur. Il cherche à l'ouverture. Il vise plus qu'au premier round où il lançait un petit peu aveuglement. Ouais. Là, il cherche à toucher la cible. Le dernier coup de Rivas, là, directement sous le nez de Tessier, là. Il a atteint, là, il saigne quand même assez abondamment et ça le dérange, on le voit, là. Combinaison suivie d'un crochet de la gauche pour Rivas. Oh, que c'était bien ça. Courte combinaison, mais oh, que ça a percé la défensive. La main droite est rentrée, là, comme si de rien n'était entre les deux gars. Ouf, qu'il a reçu celui-là. Combinaison, une belle combinaison de la part de Stéphane. Une des premières de Tessier. Oh! La main arrière! Ouais, exactement. Une, deux. Tessier au tapis, et ça, on n'a pas vu ça souvent. C'est rare que ça lui est arrivé. On n'a pas vu ça souvent. Il n'est pas ébranlé, tout à quelle vitesse il s'est relevé. Et dans son coin, on lui dit, les mains hautes, Steph, les mains hautes. Il va retourner de l'autre côté, et on va relancer avec 45 secondes à faire au deuxième round. Encore une fois, Tessier, on le répète, hein, à son troisième combat a été passé knock-out, mais c'était la seule fois dans sa carrière qu'il n'a pas fait la limite. Il avait été surpris par un boxeur de l'Ontario, Kuruma, Bangali Kuruma. Et ça, c'était au Club Soda, si je me rappelle bien. En 2005. Alors, Tessier qui a visité le tapis dans ce deuxième round. Grosse combinaison. Les coups de Rivas sont violents. Oui, il a beaucoup amélioré Rivas au niveau de la puissance, son transfert de poids. Encore une fois, il le fait mal. Il le fait mal. Ça a cogné très, très dur. Rivas qui a réussi à percer la défensive de Tessier. Moins de 10 secondes à faire au deuxième. Rivas qui a tenté de le faire bouger en fin de round. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Lui aussi, Tessier, il s'en irait, puis il n'y a pas personne qui lui en voudrait. L'arbitre était même insistant pour lui dire, écoute, t'es sûr, là? Ah, oui. Et il retourne. Et c'est le coude de la main droite, donc en plus, sa main est forte, là. La main arrière. Mais c'est peut-être pour ça, il a lancé un crochet à un moment donné, c'était très mauvais techniquement. C'est peut-être à cause de cette blessure. Ça l'embête depuis le premier round, en tout cas. Et Rivas revient. Regardez comment ses coups sont courts. Sont rapides, là. Les coudes à l'intérieur, donc... Sa présence physique est tellement imposante qu'il se place devant et très près de son adversaire. Oh, la combinaison gauche-droite. Une deuxième, une troisième. Rivas qui commence rapidement le troisième round. La gauche qui a touché. Combinaison encore une fois. Et Tessier qui bouge un peu plus, là, est moins statique. Donc, s'il est capable, lui, là, de se déplacer, gagner du temps, à tout le moins, là, pour éviter les coups de massue de Rivas qui s'en... Ça en donne à cœur joie, là. Au deuxième round, Benoît, il y avait un lanceur puis un receveur. Oh, là, oui. Et c'est parti pour être la même chose au troisième. Ben, les rôles n'ont pas été inversés au troisième round. Jab pour Rivas. Souvent, il cogne très dur. Tu vois que le jab, une fois ou deux, et ensuite, bang, la droite qui arrive. Et voilà, exactement ça. Au gymnase, a beaucoup d'occasions, lui, de mettre les gants avec son compatriote Alvarez, avec Didier Benz. Il a de très bons partenaires d'entraînement avec Jean Pascal. Donc, c'est certain qu'il est en mesure de se développer là, en ayant des partenaires d'entraînement de ce calibre-là. Moi, je te le dis, là, je lève mon chapeau tout de suite, moi, à Stéphane Tessier.
On le voit que ça lui fait mal. Tu vois, dès qu'il a une occasion pour détendre son coude, il le fait. Il se fait frapper durement par Rivas. Il pourrait partir tout de suite, mais non. Ah ouais. Il reste devant lui. Il est conscient qu'il ne peut pas échanger coup pour coup avec Rivas parce que Rivas est trop puissant et trop rapide pour lui. Donc... Oh, c'est bien fait, ça! Oui, Tessier, son meilleur coup a toujours été son crochet de la main avant. Ouais. Effectivement, son meilleur coup du combat a réussi à l'atteindre. Oh. Rivas ne se méfiait pas. Oh, là, sa main droite était basse. Et l'ouverture était là. Et... Combinaison de la part de Rivas qui se porte à l'attaque. Tessier qui a tenté une réplique. Lui qui vient de porter son plus beau coup avec le crochet de la gauche il y a quelques minutes. Oh, ça a été dur, ça, Bernard. Combinaison, ça a claqué dans le coin, là, ici, là. Le sol du Centre Bell a tremblé. Et c'est ce que j'aime de la main arrière de Rivas. Ici, il l'a envoyé un petit peu en loupe, là, un peu comme il l'avait fait contre Petrovic à son combat, Barkovic à son combat précédent. Mais généralement, là, quand il se contente de travailler, il est vraiment en ligne droite. Là, et c'est à souligner, ouais, comme il vient de le faire. Et regarde à quel point il s'approche encore une fois de son adversaire, ouais, tu vois? C'est intimidant. Ah oui. Il se sert de ce physique imposant pour se placer devant son adversaire. Moins de 10 secondes à faire à ce round. Est-ce que ce sera le dernier de Stéphane Tessier qui a voulu se prouver encore une fois qu'il fait y retourner? C'est une décision qui va s'imposer. Après donc trois rounds, Gabi Mancini qui évidemment donne ses trois rounds à Rivas. 30-26 après 3 au Centre Bell. Tessier qui fait un retour ce soir. Hein. Ça faisait plus d'un an maintenant, un an et deux mois qu'il n'avait pas boxé. Il avait pris sa retraite après sa défaite contre Ivanov, une décision unanime en 6 rounds. Ouais. Il avait exprimé, avait été au MMA où il a fait un combat et qu'il a perdu. Et là, il tente un retour à la boxe, mais il a pris un adversaire en pleine montée devant lui, donc c'est pas donné beaucoup de chance. Non, là. C'est du sérieux. Mais dans son cas, lui, avec la fiche qu'il a, il n'a pas vraiment le choix. Là. Il est obligé souvent d'accepter ce genre d'adversaire-là. Il n'y a personne qui va lui faire un cadeau à Stéphane Brutus-Tessier. Il n'a jamais eu facile, on le sait. Là. Ça prend du courage, Bernard, là, à la pelletée pour accepter un combat la veille comme ça. Quand tu n'as pas boxé officiellement là, pendant un an, il faut le faire. Mac Ramsey a demandé à Rivas, il dit évite de te mettre à son niveau, évite de rester face à lui. Tu as un bon jeu de jambes, donne-toi des angles. Donc, on a travaillé là-dessus entre le troisième et le quatrième round dans son coin. Combinaison, encore une fois, bien faite. Je vois à quel point, dès qu'il a une chance, il tente de détendre ce coup de droit qui l'embête depuis le premier round. À mi-chemin au quatrième, combinaison qui fait mal de la part de Rivas. Un crochet au corps sous le coude qui a passé. C'était dur, ça. Ça devait faire mal. Encore une fois, Tessier a essayé son crochet pour ses preuves. Mais Rivas s'est méfié et a fait un mouvement de recul avec sa tête. Combinaison ratée pour Rivas. Tessier a bien bougé là-dessus. Une minute à faire au quatrième. Une minute maintenant. Un jab de Tessier. Rivas qui l'attend. Rivas qui fait un petit peu de provocation. Laisse ses mains basses. Et il a tenté le coup de circuit. Et ici, il avait frappé la balle. C'était un coup de circuit, je te jure. Wow! Le petit crochet. Petit crochet a marqué là-dessus, Tessier. Tu vois, il a encaissé la réplique, la combinaison à trois coups de Rivas. Il est revenu se placer directement devant lui. Donc, il oblige Rivas à être méfiant là, avec ce petit crochet. Le problème, c'est que dans ce temps-là, tu peux réveiller Rivas encore plus. Ouais. Et là, ça devient dangereux. Là. Encore une fois, le nombre de coups. Hein, Rivas qui travaille en combinaison en cas, ouais. Alors que Tessier, lui, combine... c'est très, très rare. Là. Un petit jab avec un direct, mais c'est plus loin qu'il a été jusqu'à maintenant. Ce sont les dernières secondes de ce round actuellement. Combinaison pour terminer en puissance de Rivas. C'est bien bloqué par Tessier. Oh là là! C'était Ramsey de mieux en mieux. Et on me dit qu'Oscar Rivas parle de plus en plus en français. Ah oui, je suis des cours avec Elider Alvarez à chaque semaine dans nos bureaux.
est capable de même de parler en public. Ils l'ont fait en conférence de presse. C'est encore rudimentaire, mais c'est un bel effort de leur côté. Et ça, les amateurs de boxe l'apprécient. Dans le coin de Rivas, autant Ramsey que Michele Moffa, on a demandé à Rivas de varier le corps-tête, là, de ne pas toujours viser la tête de Tessier. Si vous voyez du sang sur le bras gauche de Rivas, c'est pas le sien, ne vous inquiétez pas. Non, c'est ça. Celui jusqu'à de maintenant, Stéphane. Le danger a été concentré dans le visage de Tessier jusqu'à maintenant. Là. Encore une fois. C'était bien combinaison. Ouais. Fini avec un crochet au corps. Crochet de la maman sous le coude, mais Tessier a bien absorbé le coup. L'uppercut de la Merrière qui s'est frayé un chemin. Et ça, c'est dangereux pour Tessier. C'était tellement fait mal au premier combat entre les deux. Avec le jab. Mais t'as vu, Tessier a réussi à toucher Rivas alors qu'il se préparait à venir le frapper. Tessier qui fait reculer un peu Rivas qui aussitôt revient. Bien, Rivas revient avec son jab régulièrement, donc contrôle les actions de A jusqu'à Z. Et là, il laissait, là. Hein? Tu vois qu'il laissait son uppercut. Ben, ça a passé tantôt, Bernard, il sait qu'il est capable de le placer. En tout cas, ce Tessier ne manque pas de courage, tout comme Martin Desjardins. Là, ah, c'est des durs de durs, là, qui sont là, puis... Ils ont leur fierté, ils veulent pas s'en aller avant la limite parce que là, tous les rounds ont été à sens unique jusqu'à maintenant. Ouais. Et ici, il y a peu de chance d'arriver à un coup chanceux là, au lock et punch. Ouais. Mais ça s'est demandé d'où vient la motivation à un moment donné, mais c'est des passionnés encore. Ouais, c'est des guerriers. Et eux, ici, sa réputation, c'est que moi, je m'en vais à la limite. Il n'est pas question de partir avant. Avec une trentaine de secondes à faire au cinquième et avant-dernier round de ce combat. Encore une fois, tenter l'uppercut ici. Ah, beaucoup plus hein, dans ce round-là. Ah, oui. Ben, c'est le round où le plus tenté, je pense. Ouais. Rivas voudrait bien faire honneur à son surnom Kaboom avec ce coup. Moins de 10 secondes à faire maintenant. Charge de Tessier qui a touché, là. Tessier lui a touché, Rivas ici. Elle fait son rôle. Célébré pour le narguer, ben ouais. Ouais, parce que la foule a réagi évidemment à ce bon coup de Tessier, alors que Rivas s'est dit, écoutez, c'est moi qui les place des bons coups depuis tantôt. C'est là. Ouais, que là, il a été atteint par sa propre médecine, un uppercut de la Merrière. Alors voilà, dernier round, sixième round de ce combat chez les lourds. Est-ce que Oscar Rivas va être capable de faire encore plus de dommages et peut-être même passer le KO à Stéphane Tessier? Ce gars-là mérite vraiment tous les honneurs qui lui reviennent ce soir juste par la façon dont il s'est comporté, le courage dont il fait preuve dans le ring. Et Tessier, généralement, dans tous ses combats, son meilleur round est toujours le dernier. Il parvient toujours à créer une petite surprise sans nécessairement gagner. Mais gagne régulièrement des derniers rounds. Il a toujours une condition physique irréprochable, Stéphane Tessier. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un bon round dans son cas? C'est un boxeur qui a beaucoup d'endurance, une bonne résistance, bien préparé. Rivas qui avance lentement. Le jab pour Tessier, celui de Rivas suit. Crochet là, avec la main droite, crochet avec la gauche. Uppercut. Et de tous les angles. Hein? Rivas là, cherche l'ouverture. Et là, encore là, une petite combinaison au corps. Ouais. Solide. On parle souvent de l'uppercut de la main arrière, mais il y a d'autres bons coups aussi dans son sac de travail. Là. On lui a demandé l'uppercut dans son coin. On a dit, travaille avec ton jab, si t'as une chance, sort ton uppercut. On est conscient que c'est son meilleur coup de puissance. Les deux boxeurs se touchent au centre. On se repousse, on est patient. Rivas qui va au corps, la réplique avec un petit crochet de la gauche par Brutus et qui revient se coller, reste proche de son adversaire. Avec 1 minute 25 à faire maintenant au dernier round. Brutus Tessier qui a affronté tous les poids lourds du Québec, là, les Éric Martel, Sivera Louis, Wayne John, Oscar Rivas, Ali Manso, Patrice Lheureux, Paul Bongo.
Éric Barak. Donc, il en a affronté un peu un autre. Ouais. Ils passent tous par Stéphane Tessier en début de carrière. Et là, je les nomme pas tous, là, j'en oublie. Ah, t'en oublies quelques-uns. Ouais. Une minute à faire au dernier round. Bel uppercut de Stéphane. Oui, t'as bien fait, ça. Ouais. Tessier qui réussit toujours au dernier round. À chaque combat, à placer quelques bons coups et à faire réagir les spectateurs. Ça n'a pas été une soirée facile pour lui, par exemple. T'es frappé solidement par Oscar Rivas. Il y a plusieurs occasions. Combinaison droite-gauche-droite pour Rivas. Tessier qui recule pas, qui fait face à Rivas encore une fois. Moins de 30 secondes au combat. Tessier qui reste proche. Combinaison par Rivas. Et c'est 6 rounds d'expérience solide pour Oscar Rivas. Ouais, tout à fait, là. Tessier a mieux fait ce soir que dans son premier affrontement contre Rivas. Ouais, c'était son meilleur round, le dernier round, Tessier, oui. Mais peut-être pas de là à le gagner, mais il demeure quand même. Non, que mais... Il a fourni une bonne opposition à Rivas. Et ça fait progresser la carrière de Rivas, qui a besoin de ce genre de round-là éventuellement. Parce qu'il va y avoir en affronter qui vont. Et les gens applaudissent ici, autant Tessier que Rivas pour. Je pense qu'ils ont donné une bonne performance. Ils nous ont donné beaucoup d'action. Et les gens ont reconnu le courage de Tessier dans ce combat.